Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Toxor, amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 97, si mes souvenirs ne me font pas défaut. J'espère en tout cas que vous allez bien, moi ça va bah, impeccablement bien, les amis, on se retrouve donc avec notre petit chaman, level toujours 80, ça risque d'évoluer dans cette vidéo. On va donc poursuivre la quête que l'on avait pris il y a bah, quelques temps, auprès de ce PNJ, qui est enfermé dans une cage. Et donc, on doit faire face pour la première fois dans le cataclysme au Worgen. Et j'ai déjà aggro. Magnifique. C'est parti, mon kiki. Ça démarre plutôt bien pour cet épisode. Avec déjà du combat. C'est très rare. Hein. C'est vrai que des fois, je parle pendant quelques minutes et il n'y a pas de combat. Mais là, c'est chose qui change puisqu'il faut avancer. Nous sommes donc. On est peut-être enfin, que 80. Mais j'ai envie de dire, ah oui, j'ai envie de dire, et j'ai envie de dire, nous sommes bientôt, donc, à Mist of Pandaria, tout simplement, parce que 5 niveaux, ça va aller assez vite, hein, vous allez vite pouvoir vous le comprendre. Et donc, voyez-vous, donc, petite nouvelle, et grosse nouvelle même, j'ai envie de dire, parce que je suis moi-même le premier surpris, je suis passé sur la chaîne Wiz Gamers. Je ne connaissais pas du tout cette chaîne. Honnêtement, pour pas vous mentir, hein, je ne connaissais pas du tout cette chaîne. Je sais même pas d'où ça sort, honnêtement. Et je suis donc passé sur cette chaîne, comme potentiel grand youtubeur de l'été, classé numéro 3. Enfin, petit youtubeur, on va dire, parce qu'ils prennent que les youtubeurs, il me semble, qui ont moins de 10 000 abonnés. Ce qui est encore mon cas. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Donc, je suis... Le premier surpris, c'est un commentaire qui a été mis dans une vidéo de Tour de France, il me semble, qui me dit, ouais, Oxor, t'es passé dans l'émission de Wiz Gamer et tout, va voir. Voilà, je suis allé voir et ouais, je suis passé, je suis le premier surpris, mais également, je suis extrêmement content. Qu'est-ce que je voulais dire à ce sujet? Bon, tout d'abord, pourquoi? Je pense avoir la raison de pourquoi je suis passé sur Wiz Gamer. Tout d'abord, on se rappelle qu'il y a très peu de temps, c'était le Tour de France. Et j'ai fait un let's play sur le Tour de France qui a vraiment très très bien marché. Peut-être l'un des rares francophones, enfin français, francophone, ouais, pardon, avoir fait un Tour de France qui a bien marché. Il y en a d'autres qui en ont fait, ça a un peu moins marché. Moi, ça a super bien tourné. Je suis très content de l'audience que j'en ai tirée. D'ailleurs, hein, je recommencerai l'an prochain. Et il y a toujours mon Tour de France avec la Team Europcar qui est en cours. Donc, a priori, il se base sur les vues par mois, etc. Donc, vu que c'était le mois du Tour de France, c'est vrai que j'ai explosé mon quota de vues. J'ai dû faire 200 000 vues en un mois, avec plus de 3000 abonnés en plus ou 2000. Enfin, quelque chose comme ça. Donc ce qui fait que ça m'a bien forcément, enfin ça a fait monter le mois de juillet. Ça va stagner hein, au mois d'août, mois de septembre forcément, puisque bah, mes vidéos normalement sont regardées environ 1000 fois, hein, voilà, environ 1000 vues par vidéo. Certaines montent beaucoup plus, ça dépend quand c'est des découvertes, des tests. Mais généralement mes vidéos tournent autour des 1000 vues. Moi ça me va, hein, honnêtement, je vous le dis, j'ai pas besoin d'avoir 500 000 vues par vidéo. Honnêtement, j'en ai un petit peu à rien à faire. Si ça m'arrive un jour, tant mieux, hein, mais bon, voilà. Je ne changerai pas, je resterai toujours le même, quoi qu'il puisse arriver. Mais en tout cas, ça me fait plaisir, mais bon, je me fais pas non plus d'illusions. Hein, c'est grâce à mon let's play Tour de France que, bien sûr, Wiz Gamer m'a repéré, ça je me fais pas trop d'illusions là-dessus. Ça sera la première et sûrement la dernière fois que vous me verrez sur cette chaîne. Puisque ben voilà, maintenant que le Tour de France est terminé, mes vues vont commencer à descendre, à baisser. Donc je me fais pas trop d'illusions là-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait vendre? J'ai décidé de garder quelques trucs maintenant, ce que j'irai vendre entre chaque vidéo. Maintenant, j'irai vendre aux enchères. J'ai pas fait avant parce que bah, j'avais pas de fly à porter. Mais j'irai vendre aux enchères désormais pour me faire un peu plus d'argent. Et bientôt, au patch 5.4, j'arrête pas de parler, c'est un truc de dingue. Personne ne m'arrêtera. Au patch 5.4, il me semble, vous pourrez m'envoyer du courrier sur n'importe quel serveur où je serai. Donc, c'est vraiment pas mal. Hein. Enfin, ça permettra d'échanger un maximum. C'est dans la grotte, si mes souvenirs sont bons, qu'il faut aller. Je vais aggro.
Je vais aggro. J'ai pas aggro. J'ai pas aggro. C'est magnifique. Donc, voilà, voilou, hein, je vais clore le sujet sur Wiz Gamer. J'ai oublié de dire au début de la vidéo, donc félicitations, donc il y a vos commentaires qui s'affichent. Félicitations aux 3 vainqueurs, enfin aux 3, je sais pas. Je sais pas si on mettrait 3, peut-être 2 ou 4 ou 5, je sais pas. En tout cas, félicitations aux vainqueurs du petit jeu que j'avais mis en œuvre lors de la vidéo 95, où il suffisait de. De mettre. Dans votre commentaire, le mot défi. Donc, bah, félicitations à vous. Vous avez amplement réussi votre part de travail. Beaucoup de commentaires, hein, comme d'habitude, mais j'ai pas pu sélectionner tout le monde. Encore une fois, désolé, j'ai pris ceux qui me paraissaient le plus marrant, voilà, ceux qui sont ressortis un petit peu du lot. Et bientôt, on fera le même type de jeu, sauf que là, c'est vous qui élirez les meilleurs commentaires en mettant un petit pouce vert pour remonter le commentaire en haut. C'est le top commentaire et on fera ça prochainement. Voilà, il suffira d'être à l'affût. Qu'est-ce que je peux prendre? De la maille? Non, ça. Que de la merde. Je vendrai, c'est pas grave. Hop, je monte sur le loup qui va m'emmener ailleurs. Ouh, la sauter la petite rivière là. Donc moi je bois un petit coca, donc si vous m'entendez boire, hein, je suis désolé. Il fait assez chaud ces temps-ci, donc faut se déshydrater. N'hésitez pas à boire entre 1 et 2 litres d'eau par jour, c'est très important pour votre santé les amis. J'aimerais pas qu'il vous arrive quelque chose, hein. Ça serait tellement dommage. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Ouah, il les flingue. Ouah, comme il est super fort ce loup. Ouh là, c'est plus un loup, c'est carrément un cougar. Non, il est beau, franchement il est beau, il est très fort également. Oh, la belle statue. Avec des offrandes aux pieds, des fruits, des machins. Enfin, manger 5 fruits et légumes par jour, n'oubliez pas. J'accepte la quête. Je valide l'autre. Il y a un gars qui, enfin, un abonné qui m'a dit que le loup fantôme comme ça n'était pas terrible. Il fait un peu gros en l'impression d'être lent. Mais non, je te rassure, c'est pas que c'est l'impression. On n'est pas lent. C'est juste que vu qu'il est un peu plus gros, forcément, ça n'aide pas. On valide les quêtes. Enfin, on prend les quêtes plutôt. Ouh là là, pas mal ici comme quête. Hop, je valide celle-là. Il va m'en redonner une autre normalement derrière. Ouais, je m'en serais douté. C'est parti mon kiki, il faut récupérer des petits compos par-ci par-là, aller dans la grotte, on va faire des ogres et tout le monde sera content. On aura eu notre quota d'ogres dans cet épisode et c'est pas plus mal j'ai envie de dire. J'ai remarqué hein, parce que je suis quand même quelques youtubeurs assez connus dont mon youtubeur préféré MrBboy45, alors bon, c'est pour moi le meilleur youtubeur de YouTube hein, sans hésitation. Et j'ai remarqué également que lui aussi dit souvent j'ai envie de dire. Donc je continuerai à dire cette phrase qui n'est pas si chiante que ça. Écoutez, hein, écoute, c'est comme ça. Si je veux dire j'ai envie de dire, je dirai j'ai envie de dire. Bis et tout. Ceux qui sont pas contents, c'est pareil, c'est la même chose. Hop, je prends ces trucs. Faut que je récupère d'autres compos. Ah, il me semble que c'est ça. Ouais, c'est la braise. Les braises d'une couleur un petit peu rose. T'as mon chat en train de faire des figures acrobatiques. On dirait qu'il se prend pour Tony Hawk. Tellement il fait des petits jumps et tout comme ça là. C'est un fifou. Et à chaque fois, je sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois que je tourne, il fait chier dans la vidéo. On l'entend quasiment tout le temps dans chaque vidéo. Enfin, moi je l'entends. Je sais pas si vous l'entendez vous. Et on dirait qu'il fait exprès. Il doit se dire ah putain, il fait une vidéo, je vais le faire chier. Je vais faire un maximum de bruit. Put your hands up and yeah. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, levez le bras et faites du bruit. Donc voilà quoi. Make some noise. Il se croit dans un concert, mon chat, un truc de dingue. Faut que t'arrêtes. Hein. Honnêtement, faut que t'arrêtes là. Tu fais chier les abonnés. Voilà. Hop. Il me semble que j'ai tout pris. Ouais. Je vais mettre ça dans la marmite. Le chaudron du crépuscule. Hop. Hop. Ok. Et dans Wiz Gamer, ils ont même dit que j'étais schizophrène. What the fuck? Est-ce que je suis schizophrène? Je fais du vélo et je fais du catch. What the fuck? Bon, c'est vrai que c'est quand même deux disciplines très opposées, hein, certes. Mais ouais, c'est vrai que je peux être schizophrène. On peut me considérer comme un schizophrène finalement parce que aimer le vélo
qui est un sport assez calme, hein. C'est vrai, c'est quand même calme. Quand ça attaque en montagne, ça va quand même assez dur, hein, mais bon, c'est comme ça. Et par rapport au catch, où c'est par-dessus la troisième corde, vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai que c'est assez bizarre quand on passe d'un commentary calme, hein, je pense qu'on peut dire ça comme ça, il y a quelque chose qui est un peu plus violent. Mais j'aime, c'est ma personnalité. Moi, j'aime bien passer de tout à rien. J'aime bien passer du bois au métal, par exemple. Enfin, c'est un exemple bidon, mais c'est, ça illustre bien, je trouve. Ça illustre parfaitement la chose, ou plutôt du caillou à l'eau. Hein. Ça peut être comme ça également qu'on peut voir les choses. Je sais pas si vous avez compris un petit peu mon image, ce que j'ai voulu faire, ce que je voulais dire, mais voilà, c'est dit. Et puis, si vous n'avez pas compris, hein, c'est pas grave. Moi, je me serais compris, et c'est le plus important. Il me faut un peu chier ces ogres, je sais pas ce que vous en pensez, en plus il a deux têtes comme ça, enfin deux têtes mais voilà quoi, il a quand même qu'un œil à chaque fois, donc ouais, ça fait quand même deux yeux, deux têtes, deux yeux, ok c'est bien. Administrer la potion, ah oui d'accord, faut leur donner la potion, c'est vrai, ouais j'avais zappé. Viens par là, oh non j'irai après là-bas, c'est une quête d'escorte et je la ferai après parce que vous verrez qu'une fois qu'on aura terminé la quête que je suis en train de faire, on a un petit bonus qui fera qu'on sera un petit peu tranquille dans cette grotte, donc on va vite y aller. D'ailleurs, il y a une petite énigme, ce qui est assez rare d'en haut, hein, parce que les quêtes, généralement, c'est du rush bourrin. Et vous allez bientôt pouvoir constater que là, il fallait un petit peu réfléchir à l'époque. Enfin, un petit peu, hein. Quand je dis un petit peu, c'est le strict minimum syndical dans une quête sur 1 million d'en haut, hein, bien sûr. Parce que sinon, si, il n'y a pas beaucoup de têtes comme ça. Autant dans The Secret World, il y a beaucoup de quêtes où il faut réfléchir, où... Enfin voilà quoi, moi j'ai bien aimé au Secret War de ce côté là où il y avait pas mal de quêtes qui demandaient un petit peu de réflexion, même beaucoup de réflexion pour la plupart, et c'était vraiment très intéressant. Alors que dans WoW, ben c'est les quêtouilles, hein, vous allez vous passez dessus comme si de rien n'était. Hop, c'est cette quête, regardez, avec les 4 sabliers, donc feu, air, terre et eau. Il y a un bouquin ici, on valide la quête. On prend la quête et maintenant il suffit de lire la quête pour pouvoir faire le truc. Parce que si on prend ça, on prend des dégâts. Donc il faut lire et tout. Bon, je veux pas lire, je connais par cœur la quête. C'est feu, terre, air et eau. Voilà. Cette quête, j'ai dû la faire bien une vingtaine de fois. Donc forcément, je la connais par cœur. Je vais en tout cas vous laisser lire la quête si vous voulez. Comme ça, vous pourrez comprendre. Voilà. Vous mettez pause ici. Comme ça, au moins, vous pouvez lire la quête, tranquillou. Et comme ça, on verra si vous avez trouvé ou pas. Voilà. On reprend maintenant, tranquillement. Dommage. Ah si, c'est bon. C'est bon. Puisque mon torse me sert plus à rien maintenant. Puisqu'il bloque au level 80. Certes, je peux changer. Hein, on me l'a dit dans les commentaires. Mais non, je changerai pas. Parce que ça pexe relativement vite maintenant. Donc, autant changer de stuff. En plus, je sais que ça vous fera plaisir. Parce que... C'est vrai que ça fait quand même beaucoup d'épisodes que j'ai la même gueule. Moi, le premier, ça me saoule. Donc voilà. Donc je disais un peu avant, regardez, donc maintenant, c'est tranquille. La quête, on pourra la faire sans aggro les mobs. Puisque maintenant, regardez, rendre les ogres gargoles amicaux. Eh oui, maintenant, ils sont amis avec moi. Donc ils me taperont plus pendant 10 minutes. Donc c'est pas plus mal. Pour la quête d'escorte, en plus, ça va la faciliter grandement. Jack, elle est déjà bien bidon, mais là, c'est encore pire. Ah non, faut que j'aille récupérer, c'est vrai, la clé avant. Je vais récupérer vite fait la clé, je prends une petite gorgée de coca, m'en voulez pas. Ah. Petit coca, saveur nature, hein, nature, le classique, le vrai coca. D'ailleurs, j'ai pas super bien aimé, enfin... Il y en a qui kiffent, hein. Moi je suis pas trop de ce côté là. Coca, ce qu'ils ont fait avec leur canette de coca et tout, ils ont carrément mis des prénoms sur les bouteilles et tout. Honnêtement, je suis pas fan. Je trouve que c'est un gros coup marketing, enfin énorme. Et honnêtement, je suis pas fan. Moi je bois le coca parce que j'aime bien. Il y en a qui vont faire la collection. Bon, c'est un petit peu comme les trucs maintenant de. Merde, j'ai perdu le nom de Nutella. Nutella, vous pouvez mettre le nom de n'importe qui. Enfin voilà, je trouve ça un peu bidon. Ça. C'est personnalisable à fond, je trouve ça nul. Enfin, vous savez, moi je suis pas trop dans ce délire là de tout ce qui est tout ce qui est marketing de ce type là, je suis pas fan. Hop, je valide la quête et c'est bon, t'es libre mon petit gars.
Et tu vas me suivre parce que là on n'est pas là pour. Voilà, je sais qu'il y en a qui ont dit la phrase, mais on n'est pas là pour beurrer les sandwichs. Je vous ai laissé le temps de la dire. Maintenant je la dis. Donc on est parti. Loup fantôme. J'ai encore quelques gars libérés, il me semble. Non, c'est bon. Encore un. Je me doutais un petit peu qu'il m'en manquait. Voilà. On va valider pas mal de quêtes et je pense qu'on va même passer level 81, les amis. Honnêtement, je pense parce que on a bien avancé. On a commencé à peine les quêtes d'Ijal. Hein. Je sais pas si je peux voir, il me semble pas. Non, je les ai déjà faites, donc on les verra pas. Je sais plus combien de quêtes il y a. Je vais regarder combien il y a de quêtes à Ijal. Le cataclysme. Ijal, c'est où Ijal? Il y a 115 quêtes. J'en ai fait 29. En gros, c'est que le début et on est déjà bientôt 81. Ça s'annonce assez bien. Allez, hop, terminé. Qu'est-ce que je peux prendre là? Un beau casque, mais par contre, non, pas beau casque, pas du tout. Berk caca. Je prends ça, je vendrai ça. De la maille, mais c'est pas pour moi. Ça non plus, mais je vais le vendre parce que ça se vend relativement cher. Les armes se vendent très cher, hein. Ça c'est clair. Je valide et je prends la suite. Hop. Mes souvenirs, mes gares. Ah, ok, c'est bon, ça en haut. Ça va être encore très facile. Vous allez vite vous en rendre compte. 3 barres avant de passer 81. Ça va assez vite. Allez, viens par là, toi aussi. Viens par là, mon kiki. On n'est pas là pour beurrer. Ah, il est déjà mort. C'est triste. Quelle tristesse. Je dis vague. Bientôt l'épisode 100, en tout cas, les amis. Hein. Il y aura une petite surprise. Donc, soyez bien au rendez-vous, surtout. Parce que ben, ça n'arrivera pas tout le temps. Je valide la quête. Hop. Le portail qu'il faudra franchir, c'est celui-là. On y fera une fois qu'on aura terminé cette quête. Le portail, je vais peut-être vous le garder pour le prochain épisode. Parce qu'il y a quand même pas mal de petites quêtes et j'aimerais vous les faire tout en même temps. Et là, ça va être un petit peu court de les faire en 10 minutes. Donc je préfère vous les faire dans un épisode qui sera intégralement... pour cette zone qui, vous le verrez, est fort sympathique. Il y aura 3 zones comme ça à Ijal. Donc je préfère vous la garder pour un épisode ultérieur. J'espère que vous m'en voudrez pas. Ceux qui connaissent la région, vous voyez sans doute de quoi je parle. Ça va être assez fun. Je fais du corps à corps, lol. Avec mon chaman, je fais du corps à corps. Alors que je suis vraiment pas du tout corps à corps. Je suis plutôt loin du corps à corps, normalement. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Ouh là là, il a pris cher. Donc, vous avez pu le constater également que maintenant, à la fin de mes vidéos, il y a une petite outro avec où vous allez retrouver donc mes 3, on va dire, réseaux sociaux, même si on peut peut-être considérer YouTube comme un réseau social maintenant, puisque beaucoup de gens font des vidéos de leur vie et tout dedans, donc voilà. Donc mon Twitter, mon Facebook et ma chaîne YouTube. Donc peut-être qu'un jour j'ai ajouté mon Battle Tag, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Bon, après Battle Tag, vous pouvez l'avoir dans la description de chaque vidéo de WoW de ma chaîne. N'hésitez pas à m'ajouter, hein, ça fait toujours très plaisir. Même si vous avez plus de 2 mois d'absence, je suis obligé de vous retirer, à part si vous prévenez, bien sûr. Et n'oubliez pas de prévenir, hein, si c'est le cas, je vous garderai en liste d'amis, il n'y a pas de souci. Par contre, ceux qui ne préviennent pas, je supprime au fur et à mesure pour faire de la place. Ce qui est tout à fait normal, vu que j'ai quand même un petit peu de demandes chaque jour sur Battle Tag. Et on est limité à 100 amis, ce qui est quand même très peu. Ce qui est très peu, je trouve, c'est dommage, qui limite ça à 100 personnes. C'est assez dommage, voilà.
Après, bon, je reviendrai pas dessus. Blizzard, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est pas tout le temps les meilleures choses. D'ailleurs, ça va arriver, hein, le free-to-play bientôt, là, va arriver sur WoW avec des objets qu'on pourra déjà acheter. Donc, c'est pas vraiment du free-to-play, mais c'est quasiment, quoi, parce que ça va sûrement très très vite arriver. C'est vraiment dommage, hein. Bon, voilà, Blizzard veut faire payer maintenant, bah, qu'ils fassent payer, hein, ils vont perdre des gens, de toute façon, ils pourront se mordre les doigts. Mais bon, il y aura toujours des gens pour payer, donc forcément, l'argent coulera toujours à flot. Je vais aller ailleurs, je vais me rendre au sanctuaire... attends, sanctuaire de quoi? J'arrive pas à lire, tellement c'est petit. Sanctuaire Daviana. Ouais, on s'en fout. Pour faire quelques petites quêtes avant de terminer cet épisode, il reste 10 minutes. On n'aura pas le temps de faire la quête où faut traverser le portail. Parce qu'il y a quand même, il me semble, entre 6 et 7 quêtes à faire, donc ça risque d'être un peu long. Je prends une petite gorgée de coca, hop. Je vais prendre le fly. Comme ça, ça permettra à la fin de cette vidéo d'aller vendre à l'hôtel des ventes. Hop. Oh, quoi que j'y ferai pendant la vidéo. Parce que j'ai pas envie de... J'ai envie de tout faire avec vous. J'ai pas envie de... Comment dire de... Je vais faire mon foyer ici déjà. J'ai pas envie de vous priver de gameplay. Même si c'est pas très intéressant. Bah, si ça vous intéresse pas, vous passez ou vous quittez. Mais voilà, je préfère quand même tout vous montrer. Parce que c'est un let's play. Et qui dit let's play dit ben, jeu en intégralité. Donc il faudra subir. Donc ça c'est lié, je peux vendre. Ça c'est lié, je peux vendre. Ça c'est lié. Ok, tout ce qui est lié, je veux y vendre de toute façon. Donc, parce que ça me sert à rien. Ça je vais garder. Lié, ok. Ok. Putain, c'est tout lié quoi. Je pourrais... En fait, je crois pas que je vais faire d'aller-retour aujourd'hui. Peut-être prochaine fois, peut-être la prochaine fois parce que c'est tout. J'ai juste ça que je peux garder. Donc finalement, dans cet épisode-là, j'irai pas aux enchères puisque ben ça me servirait à rien. Donc vous avez de la chance. Cet épisode sera 100% quête et bientôt peut-être pour mon e-level. Très bientôt on ira faire un donjon, donc peut-être le prochain épisode on ira faire caverne de roche noire. Ça pourrait être assez sympathique de faire le premier donjon donc de cataclysme. Enfin ça sera trône des marais ou caverne de roche noire, hein. Ça je ne choisirai pas, ça va être totalement de l'aléatoire. Allez, je vais me faire ces petites harpies que les harpies qu'on découvre au tout début de WoW, hein, au tout début de l'aventure de WoW, quand on fait un elfe, il me semble. On a des harpies, peut-être même dans la horde également, on peut en tuer. Mais je sais qu'avec les elfes, on en a quasiment au début dans les 10 premiers niveaux dans la région de départ. Hop. Donc c'est vrai que je me suis trompé sur le nom du dragon qui nous amène à Ijal. J'ai dit Aranus et non c'est Aronus. Erreur de ma part, mauvaise lecture de ma part, extrêmement désolé. Mais bon, ça n'empêche que ben, Aronus ou Aranus c'est pareil, ça reste toujours un anus. C'était pas marrant, mais fallait que je la fasse une fois de plus. Donc, je rappelle, hein, l'épisode 100 sera un épisode d'une heure. Donc réservez-vous bien un petit peu de temps les amis. Parce que ça risque de piquer ces 1 heure. 1 heure de WoW, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et ça demande quand même beaucoup de... Bah de... Comment dire de courage à celui-là qui l'a fait. Donc j'ai besoin de vous les amis. Maximum de pouces verts à chaque vidéo. Vous savez que ça fait extrêmement plaisir. Hein. Chaque fois qu'il y a des pouces verts qui se mettent sur mes vidéos, je peux vous dire que c'est vraiment du bonheur. Peut-être que ça vous prend quelques secondes, mais moi ça m'emplit de bonheur, ça m'emplit de joie. Et ça me fait extrêmement plaisir, ça me prouve que bah, vous êtes content, que vous aimiez mes vidéos. Donc continuez, n'hésitez pas, ça fait toujours très plaisir. Ouh, 14K je l'ai mis. Elle a pris cher. Je prends les petits œufs. Eh non, c'est pas Pâques, hein, parce qu'on est un petit peu au mois d'août, mais ça peut s'y paraître quand même. Donc vous avez pu constater qu'en fait là ils m'ont pas demandé de rejoindre cet endroit, hein. C'est tout simplement parce que je sais que cet endroit il y a des quêtes qu'on peut faire sans qu'on nous n'y emmène. Parce que généralement maintenant, enfin dans MOP, chaque zone si vous voulez est découpée en zone de quête.
Je sais pas si je m'exprime bien. Je vous montrerai à Mop, hein. Mais chaque endroit où vous allez, vous avez une série de quêtes à faire, qui ensuite vous amène à un autre endroit où vous avez une série de quêtes à faire, etc., etc. En gros, c'est vachement, comment dire, vachement linéaire maintenant. C'est en gros, vous suivez un couloir de quête et vous y allez. Vous pouvez plus dire ah ben tiens, je vais commencer ici, ici. Non, non. Maintenant, c'est vous suivez une trajectoire de quête et vous pouvez plus la quitter parce que ben, tout simplement, les quêtes ne seront pas débloquées à cause du phasing. C'est un petit peu ça qui est dommage, c'est ce manque de liberté désormais dans les quêtes de WoW. Mais bon, après tout, c'est sûrement pour faciliter la tâche aux jeunes joueurs, aux gens qui n'ont pas connu la difficulté de World of Warcraft au tout début. Ou avant, il n'y avait pas du tout ça sur les cartes. Quand on mettait la carte, par exemple, il n'y avait pas les petits trucs de validation. Avant, c'était brut, tu te démerdes, tu lis la quête, c'est pas où c'est, ben, c'est pas grave, c'est la même chose. On valide. Je vais bientôt pex, les amis. Je vais bientôt pex. Ça, c'est bon signe parce que 81 maintenant, ça veut dire que ben on aura bien, bien, bien avancé. Voilà, 81. Ding. On pex super rapidement et ça m'emplit de joie. Honnêtement, ça fait plaisir. J'ai débloqué en plus de nouveaux donjons. Bon, j'ai pas encore le 8 level. J'ai par contre le 8 level désormais pour faire ces deux-là. Donc, j'espère qu'on pourra les faire bah, très vite, tout d'abord. Ah, c'était en dessous, fallait déjà là. Voilà. Putain, j'ai déjà 32 KPV, c'est pas mal quand même. Hop, on va aller faire cette petite quête, on va la terminer. Il nous demande d'aller tuer. Nous demande d'aller tuer ce qui ressemble à la monture d'Anzu. On va y aller. Belle région, j'adore cette arme. En plus, ça fait un. Moi, je suis assez fan du côté elfique de WoW. Autant dans la vraie vie, tout ce qui est truc elfique et tout, j'aime pas tellement. Mais dans WoW, ça va. Je trouve c'est vachement joli, c'est vachement enchanteur. Et j'avais commencé tout d'abord, en fait, quand j'ai joué à WoW, le premier personnage que j'ai créé, c'était un elfe. Il s'appelait Forgan. C'était un elfe chasseur. Donc, je savais pas le jouer, hein, parce que honnêtement, c'était la bêta et tout. J'étais une grosse bouse. Et ouais, je faisais n'importe quoi, j'avais du stuff gris level 40, voilà, un truc de ouf, hein. Un truc totalement que maintenant vous voyez un gars comme ça, vous vous foutez de sa gueule. Mais avant, c'était beaucoup de gens étaient dans ce type-là parce que les objets verts et tout ça sautait pas beaucoup, donc il fallait faire avec ce qu'on avait, donc j'avais pas forcément le choix. Et c'est vrai que j'avais quand même vraiment kiffé la zone de départ des elfes, un peu moins maintenant avec du recul. Je me dis que c'est un petit peu mort, c'est un petit peu sombre, enfin voilà, c'est pas top. Je préfère largement la zone des humains, mais c'est vrai que ben finalement retrouver un petit peu cet esprit à cataclysme, ça m'a fait plaisir à l'époque. Et surtout, j'adore Rigel parce que ça mêle quand même plusieurs aspects sur une même map. On va vite s'en rendre compte, hein. Vous allez vite voir que Rigel, c'est pas une zone toute verte, hein. Loin de là. Vous allez bientôt vous en rendre compte, les amis. Bon, ça, je peux y vendre, ça m'emmerdera plus. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle nous fait? C'est dommage qu'ils parlent pas, les personnages. Enfin, des fois il y en a qui parlent, des fois non. Les doublages ne sont pas toujours faits. D'accord, ok, faut que j'apporte. En gros, c'est tough. Très bien. Très très bien. Eh ben écoute, je le ferai plus tard, hein? Qu'en penses-tu? Quand j'aurai terminé cette quête? Ah oui, c'est vrai, il faut capturer elle. On va la capturer, puis on terminera ici. De toute façon. Il faut la capturer, puis l'interroger. Ah, ok, il faut éteindre un feu d'harpie. Tout simplement. Tout simplement, tout simplement. On va éteindre celui-là, il est à côté. Elle va venir, il faut la DPS. Voilà, par contre, je vais faire elle avant. Parce que sinon, elle va nous embêter. Fouah! Je lui ai mis deux coups, elle est déjà morte. Elle va prendre cher aussi. Je vais peut-être pas la tuer parce que sinon, je sais pas si ça marchera. Voilà, elle s'est fait capturer. Donc là, on l'interroge. C'est un PNJ, un copain qui l'interroge, enfin qui l'a capturé. Donc là, elle lui parle. Oh là, je vais aggro celle-là.
faut que je me la fasse. Donc déjà, j'ai l'impression que ça a bugué. Peut-être une idée que je me fais, mais j'ai l'impression que ça bug. Allô? Je crois que ça a bugué. Je suis pas en face de ma cible. Ah voilà. Pourquoi voulez-vous les œufs? Ok. On s'en fout, je vous laisse lire hein, si vous voulez lire. Donc là, on peut ordonner de la tuer ou de la libérer. Bon. Tu es là. Tu es là. Boum, voilà, ça c'est fait. On n'est pas là pour beurrer de toute façon. On va les valider. Ouais, pas de pitié, hein. Pas de pitié pour les croissants. On tue tout. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Rien du tout, je vais prendre ça, ce qui rendrait le plus cher. Bon, bah écoutez les amis, on va se quitter ici. C'était un épisode très très agréable en votre compagnie. Et ben, on se retrouve prochainement pour de futures quêtes et sûrement un futur donjon. Portez-vous bien, c'est tout le monde. Bye bye.